J'espère que c'est en super view parce que sinon c'est cramé, on va devoir le refaire. Are you ready? On va aller dormir. Mon pied il est mal placé. Mon sac par contre bouge partout. On va pas vite, c'est du technique. Hop là, ça passe. Non, vous savez quoi? On va passer à côté. J'ai pas confiance. Puisque Kiki m'a dit qu'il m'attendait pas. La dernière fois, je l'avais fait. Sauf que j'avais mal réglé ma caméra. Et c'était en linéaire. Donc, ça va être la première chute. Et j'espère la dernière. Alors ça, virage en épingle, c'est passé nickel. On accélère un petit peu parce qu'on est en train de se faire semer, mais royalement. Alors, passer de vitesse, ça peut passer. J'ai élevé quand même malade. Pas marché. À la caméra, on a l'impression que c'est tout plat, mais en fait, pas du tout. Là pour l'instant je vais pas vite parce que il y a beaucoup de cailloux. Là il y a le vide juste à côté, j'ai un petit peu peur je vous le dis. En plus que sur cette piste j'avais cassé ma lisière, donc on va pas aller très vite. Et si vous voulez savoir quelle piste c'est, ça s'appelle la Bundula. Voilà, le nom il est assez bizarre. Et c'est à Mio, voilà. Waouh, ah oui quand même. Allez, on passe à pied. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît que j'anime comme ça les vidéos de VTT pendant la descente. Parce que... Waouh. Alors je pensais que c'était là que je m'étais cassé la gueule. Mais en fait non, c'est plus bas. Bon. Sinon, revenons dans le bouton. Waouh, ça part où là? Vous pouvez voir, hein. C'est assez technique, ça descend bien. Peut-être à la caméra, on voit que c'est plus plat. C'est trop plat, mais en fait non. On passe par là. Ok. Bon, ben, deuxième chute. Je vous explique, parce que vous n'avez pas trop dû comprendre. Comment je me suis cassé la gueule? Je suis passé par l'avant. Waouh! Waouh! Oh putain, il y a trop de fourmis là-dedans. Oh, en plus, c'est les fourmis rouges! Allez, on se calme! Allez! Oh, j'ai trop envie de le refaire. Allez, à droite. Génial! Pour l'instant, ça passe. On peut voir à l'avenir. Bon, je vais profiter de ce petit chemin pour... Ah, on s'en reprend. Bon, sinon, j'allais vous dire, est-ce que ça vous plaît que j'anime comme ça mes vidéos en parlant, au lieu de faire ça avec de la musique? Je vais en mettre quand même un petit peu de musique en fond sonore, mais dites-moi si ça vous plaît des vidéos de ce style où je fais du VTT et en même temps je parle. La dernière fois je m'étais cassé la gueule et cette fois ça passe. Allez hop, c'est mardi. Bon, je vous avoue, ça fait bizarre quand même de parler à sa caméra. Oh, derrière votre écran, vous pouvez répondre dans les commentaires. Mais là, je suis en train de faire les sortes à VTT. C'est assez compliqué de vous répondre. À part si je fais du VTT en live. Mais là, je sais pas. Avec une GoPro, pour faire des lives avec un téléphone, oui, mais avec une GoPro, j'en sais rien. J'espère qu'on va pas devoir marcher à côté du vélo pendant toute la vidéo. Waouh, je n'avais pas vu venir celle-là. Oh là là, oh non, je voulais passer à côté, je voulais sauter la marche, sauf que la voie arrière
j'ai passé de l'autre côté. Donc là, j'espère que vous m'entendez. Marquez dans les commentaires si vous m'entendez. Parce que là, avec le vent, c'est assez compliqué de parler en même temps. Hop là. Il y avait un chemin à gauche. On n'y est pas passé. Tac. Wow, là, il faut que vous fassiez rien. Ok, il y a des arbres. On a l'impression qu'ils vont casser si on s'appelle. Donc on n'a pas intérêt à tomber. Qu'est-ce que je disais il y a 5 minutes? Même pas il y a 2 secondes. Oh là là, troisième chute. J'étais venu ici, j'étais vers les derniers mètres, vers les derniers 30 mètres, et j'avais plus de frein arrière. Vu que c'est des freins à disque hydraulique, il faut les purger de temps en temps. Sauf que moi, étant un gros guignol, je n'avais pas fait la purge. Dans une descente assez engagée, vers les derniers 30 mètres de la piste, j'avais mon frein arrière qui marchait plus. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour m'attendre. Apparemment, il va pas m'attendre trop longtemps. C'est bon, il m'a tué. Allez. Oui. Bon, pendant que je parlerai pas, je mettrai de la musique parce que c'est impossible de parler dans toute une descente et en même temps c'est bon. Vous avez vu cet arbre? Moi non. Pendant une fraction de seconde, je me suis dit, est-ce que je vais me le prendre? C'est ma roue avant qui s'est pris. Mais pas moi, heureusement. Merci ma roue avant. Écoute ça, la dernière fois, j'étais pas facile. Désolé si je pars pas, mais là... c'est des bons virages en épingle. J'ai pas trop envie de parler et me péter la gueule. Ok, il y en avait un plus gros à côté parce que je n'ai jamais passé par là. C'est la toute première fois. La dernière fois j'étais passé par un autre chemin de ce sentier. C'est descente, rappelez-vous-en. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a encore mes traces? J'en sais rien. Sinon, cette descente-là que je viens juste de faire, dans la caméra, elle est vraiment toute simple. Mais je suis tombé sous la barre. Là, l'arbre avec les deux troncs là, qui partent dans un autre sens. Je me suis arrêté juste là. Voilà. Et j'avais pété ma visière. Heureusement que c'était rien de ce qui s'était pété. Ça m'avait fait extrêmement peur. Ok. Oh, ma pédale a touché. Hop là. Allez, la dernière marche. Ok, là, ok, là. De la faute? Non, tu la droite pour monter. Ok. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Là, je vais faire ma conclusion sur la route parce que j'ai la flemme de la faire chez moi. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.